Au Mozambique, l'attaque de 3 véhicules fait un mort et au moins 9 blessés. Un témoin raconte que des hommes armés sont sortis de la forêt et ont ouvert le feu. Cela s'est produit sur l'axe routier qui relie le district de Machanga à la ville côtière de Beira, au nord de la capitale Maputo. Le porte-parole de la RENAMO s'est refusé à tout commentaire. Cette instance, composée d'ex-rebelles, est devenue le principal parti d'opposition depuis 1992, a intensifié ses attaques ces 6 derniers mois, et particulièrement sur cet axe nord-sud. La tension est encore montée d'un cran lundi dernier lorsque l'armée a pris la principale base militaire de la RENAMO, faisant un mort du côté des ex-rebelles. RENAMO et gouvernement mozambicain se sont depuis déclarés en faveur d'une reprise du dialogue.